l'adoration. Amen. Nous allons entrer dans ce moment d'adoration. Ouvre ton cœur et adore ton Dieu. Amen. Nous allons commencer avec ce premier chant, bien-aimé. Nous allons commencer avec ce premier chant qui dit « Bienvenue, Saint-Esprit ». Alléluia. Bienvenue, Saint-Esprit. Donc, bien-aimés, je vous invite, mettons-nous debout pour l'adoration. Et j'aimerais faire un petit rappel, bien-aimés. Lorsqu'il s'agit d'adoration, d'adorer le Seigneur, si tu n'as pas de soucis de santé, reste debout et adore Dieu. Si tu n'arrives pas à rester debout constamment parce que tu as des soucis de santé, tu te mets assis et de temps en temps tu te mets debout. D'accord? Fais des efforts. Parce que c'est en faisant des efforts que le ciel lui-même fait des efforts en notre faveur. Amen. Contrôle.
Alors,
Yeah.
Thank you.
Et tous ces mots, combien, combien.
Vous avez, il y en a d'autres qui sont là
là, ils sont assis sur leur, on va dire, ils sont assis là, et ils sont connectés, ils sont en train de nous regarder ensemble, bien sûr, ils participent bien au culte du Seigneur en même temps avec nous. Donc soyez tous bien les bienvenus dans le nom tout puissant du Seigneur Jésus. Et nous souhaitons surtout encore une fois la bienvenue à celle, la petite dame qui est derrière là, qui est bien, voilà, elle vient pour la première fois. J'espère qu'elle se sent bien au milieu du peuple du Seigneur. Alléluia. Amen. Ici, nous sommes tous frères et sœurs. D'accord? Ici, il n'y en a pas plus grand, plus petit. Non. D'accord? Ici, nous sommes tous enfants de Dieu. Et chacun va considérer l'autre comme plus grand que lui. Alléluia. Vous comprenez? Dans la maison du Seigneur, c'est ainsi que cela se passe. Je considère celui qui est assis à côté de moi, bien plus grand que moi. Donc, dans tous les coups, je m'abaisse toujours. Et qu'est-ce qu'il dit de celui qui s'abaisse toujours? Le Seigneur les élève. Ceux qui s'abaissent, le Seigneur s'élève. Vous verrez, bien aimé, pourquoi autour de ce monde-là, le monde, vous allez comprendre pourquoi que Dieu lui-même s'est élevé et s'est mis en colère contre la terre. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi que Dieu s'est mis en colère contre la terre. Dieu s'est mis en colère contre, je veux dire, certains hommes sur la face de, qui sont sur la face de la terre. Certains hommes puissants, ils sont puissants comment? Ils sont puissants avec leur argent, mais devant Dieu, ils sont pauvres. Bienvenue. Ils sont plus puissants sur la terre de par de leur argent, mais devant Dieu, ils sont pauvres. Et ce qu'ils ont fait, bien aimé, ils ont mis l'argent dans leur cœur à la place de Dieu. Ils ont chassé Dieu, bien aimé. Ils ont chassé Dieu et ils ont mis l'argent à la place. Vous allez comprendre pourquoi dans certaines entreprises, certaines sociétés, les dirigeants vont dire non, ici on ne parle pas de Dieu. Vous allez voir? Vous comprenez bien? Donc ici on ne parle pas de Dieu ici. On ne parle pas de Dieu ici. Ici on ne parle pas de Jésus. On ne parle pas de Jésus ici. Vous l'avez? Ils ont mis carrément Jésus à la porte. Dieu à la porte. Bien aimé. Ils les ont mis à la porte. Donc vous allez comprendre? Eh bien, Dieu a attendu le temps qu'il fallait jusqu'à ce qu'il se mette debout. Il dit, maintenant je vais vous juger. Maintenant je vais vous juger. Donc bien aimé. Effectivement, puisque toi et moi, ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu sait toutes les choses. Vrai ou faux? Dieu sait toutes les choses. Pourquoi Dieu sait toutes choses? À cause de sa parole. Bien-aimé. Dieu savait très clairement que Israël allait se détourner de lui. Écoutez, bien-aimés, Jésus n'était même pas encore venu. Vous voyez? Jésus n'était même pas encore venu. Dieu avait déjà rédigé pour Israël qu'avant le retour de Jésus, alors que Jésus n'était même pas encore venu sur la terre pour être né au travers de Marie, Dieu avait déjà notifié à Israël avant la venue de Jésus. Dieu n'a pas spécifié Jésus, mais Dieu a spécifié avant la venue du grand et redoutable jour du Seigneur. Je vais vous envoyer
Élie le prophète, afin qu'il puisse bien mettre de l'ordre. Ceux qui n'avaient pas l'intelligence n'ont pas compris. Mais ceux qui avaient de l'intelligence, bien aimé, ont compris. Malgré qu'ils sont morts, sans voir eh bien, cette promesse s'accomplir. Mais bien aimé, Dieu savait que Israël allait se détourner et allait tout mettre sous la plante de ses pieds. C'est pourquoi que Dieu les a notifiés bien avant que Jésus vienne et qu'il soit mort sur la croix. Vous avez compris, bien aimé? Dieu sait toutes choses. Ceci va t'étonner si je te dis que aujourd'hui nous sommes bien le 12 juin 2021. Et que avant que tu sois né, Dieu savait exactement ce jour. Ce jour-là, tu serais assis ici. Alors que cet endroit n'existait même pas encore. La maison n'était même pas encore. Tout ici, c'était, comme on dit, diamant ici. Comme on dit, c'était des bois. Là, la forêt qui était ici. Dieu te voyait déjà assis là. Où tu es dans cette maison. Donc tu comprends que ce Dieu-là, c'est un Dieu terriblement puissant. Il voit tout. Il connaît tout. Il veut simplement que toi et moi, nous puissions simplement nous soumettre à sa volonté. Simplement, voilà ce que Dieu veut. Béni soit le nom du puissant du Seigneur. Et comme le Seigneur dit si clairement, bien aimé, nous avons commencé ce message. Effectivement, nous avons vu que beaucoup de personnes, justement, ont été invitées, mais ils ont répondu à l'invitation sur le champ. Oui, on viendrait, et finalement, lorsque le jour arrive, tu vois personne. Mais bien aimé, comme je disais hier, ne vous préoccupez pas de cela. Fais ta part. Parce que le fait qu'ils ne sont pas venus, s'ils ne se sont pas repentis entre temps, et que le jugement, ils se trouvent devant le jugement de Dieu, ceci va leur servir de témoignage que Dieu les a tendus une perche où Dieu les a envoyé une corde pour les remonter. Ils ont refusé la corde. Comme je disais si hier, bien aimé, quelqu'un qui aurait été invité et qui serait parvenu et finalement il ne se serait pas repenti. Il serait mort dans son péché. Le jour du jugement, bien aimé, ne vous inquiétez pas. Si les hommes sont sur la face de la terre, 7 milliards, 8 milliards, la Bible est très claire, ils passeront un à un devant le jugement. Le savez-vous? Bien aimé. Quand vous voyez un pêcheur, il a pêché, il a un panier de poissons devant lui. Il va prendre les poissons un à un. Un à un pour le mettre, je ne sais pas, dans les sachets. Le jugement, c'est exactement la même chose. Ils vont passer devant Dieu un à un. Bien entendu, puisque nous avons déjà lu cette parole, bien aimé. Ils vont se trouver devant le trône, devant ce trône du jugement de Dieu. Et ils vont dire, mais Seigneur, j'ai fait cela en ton nom, j'ai prophétisé en ton nom. Seigneur, oui, j'ai fait ça en ton nom. Chacun dira, Seigneur, j'ai fait cela, oui, Seigneur, j'ai fait cela. Et finalement, ils vont dire, oui, mais Seigneur, j'étais à l'église, j'étais bien à l'église, mais finalement, comme le fait qu'ils ne sont pas, ils étaient simplement bien aimés. Ce n'est pas l'église qui te sauve. Quelqu'un a compris? Amen. Ce n'est pas l'église qui te sauve. Qu'est-ce qui te sauve?
Jésus, il t'a déjà sauvé. Jésus, bien-aimé, comprends une chose. Comment je vais t'expliquer une chose. Je vais t'expliquer une chose. Voici ici, ceci représente un billet d'avion. D'accord? Ceci représente un billet d'avion et il y en a le nom de quelqu'un dessus. Et cette personne est assise au milieu de nous, là, en quelque part. Le billet d'avion a déjà été acheté au nom de cette personne, oui ou non? Amen. Que tout le monde puisse comprendre ça, c'est pas le Saint-Esprit matérialise les choses pour nous sont bien comprendre. Le billet d'avion a déjà été acheté au nom de quelqu'un, oui ou non? Amen. Oui, ça veut dire Jésus vous a déjà tous sauvés. Dans d'autres moments, Jésus nous a déjà tous sauvés, oui ou non? Amen. Vous avez compris ça? Jésus nous a déjà tous sauvés. Mais est-ce que nous sommes sauvés? Non. Vous avez compris? Ne confondons pas les choses. Parce que l'évangile de la prospérité et de l'apostasie confond les choses. L'évangile, le faux évangile, il révèle, confond les choses. C'est pourquoi vous allez, les gens vous disent, ah moi je suis déjà sauvé. Vous voyez? C'est pourquoi ils disent, je suis déjà sauvé. Donc, effectivement, le billet d'avion est acheté au nom de quelqu'un. Et à partir de quel moment que cette personne pourra voyager? La personne pourra voyager quand il aura le billet en main. Et pour avoir le billet, que devra-t-il faire? Il devra faire des démarches, il devra s'efforcer. Il devra maintenant faire sa part. Jésus a déjà fait sa part, c'est ce que moi je ne pouvais pas faire, ce que toi tu ne pouvais pas faire. Donc Jésus l'a fait le plus dur, le plus terrible d'accomplir l'exigence de Dieu le Père. Que mon achat, ton achat, devrait être fait avec un sang sans défaut. Alléluia. Donc Jésus l'a déjà fait. Donc maintenant, pour que toi et moi, nous puissions, eh bien, vous avez si bien dit, cette personne devient maintenant faire des démarches pour récupérer son billet. C'est exactement ce que toi et moi nous sommes en train de faire. Nous faisons la démarche afin que lorsque Jésus vient, que nous puissions recevoir le vêtement glorieux. Et lorsque tu reçois le vêtement glorieux, ton cœur, ton corps est quoi? Ton corps est transformé en un corps glorieux. Bien aimé, nous sommes maintenant au mois de nous sommes maintenant au mois de juin. Janvier, février, mars, avril, ouais. Bien aimé, me semble-t-il, oui, c'est au cours du mois d'avril, le Seigneur a montré à ses deux puissants prophètes, ceux qui sont là pour y parler, l'Église, Dieu les a montrés, bien aimés, alors que toutes les églises étaient en plein service, comme aujourd'hui. Les églises étaient en plein service, et voilà, vous savez, lorsque Dieu parle à ses puissants prophètes, du moment que Dieu les parle, ils viennent, il n'y a pas d'heure. 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, Dieu il n'a pas d'heure. À partir du moment que Dieu lui donne le message, il n'y a pas d'heure. Vous comprenez? C'est toi et moi qui avons une heure, mais Dieu n'a pas d'heure. Dieu n'a pas d'heure. Vous donnez son message, il vient tout de suite poser le message. Donc, les cultes ont été interrompus. D'accord? Les cultes ont été interrompus et le message du Seigneur est en train de parler. Donc, Dieu les a montrés bien aimés. Dieu nous a montré finalement, on dit, Dieu m'a montré finalement comment que les corps seront transformés. Dieu est en train de lui montrer que voici, l'enlèvement est arrivé. L'enlèvement est arrivé et il voit simplement sur chaque individu,
sur chaque enfant de Dieu, Dieu pose un, comment dire ça, il dit, Dieu pose un voile blanc, comment il dit, la Bible dit, resplendissant, glorieux. Toi et moi, nous n'avons jamais vu un vêtement glorieux. Mais un vêtement glorieux, bien aimé, vous avez déjà vu les flashs de caméra. Hein? Voilà la flash de la caméra. Mais le vêtement glorieux, c'est comme ça qu'il est. Vous voyez la lumière du soleil, le soleil quand il est bien dans le midi, et que tu regardes, tu n'arrives pas à le regarder, il te dit que cette lumière-là du soleil, c'est rien à côté du vêtement que toi et moi nous allons porter ce jour-là. Donc, le Seigneur nous montre l'enlèvement qui a lieu, et le Seigneur nous montre, voilà, chacun reçoit le vêtement. Et lorsqu'il reçoit le vêtement, le corps est transformé, le corps devient glorieux comme le vêtement. Alléluia. Vous avez compris, bien aimé. Donc voilà le pourquoi que maintenant, toi et moi, voici maintenant pourquoi, eh bien, notre démarche. Nous avons maintenant cette démarche de ne pas nous attacher aux choses de la terre. Voilà ce qu'il nous enseigne, bien aimé. Oui, voilà ce qu'il nous enseigne. Mais oui, effectivement. Une chose que je vais vous faire comprendre, chacun d'entre nous a son travail, pour ceux qui travaillent. Chacun d'entre nous a son travail. Pourquoi? Parce qu'il y en a l'eau, l'électricité, et le loyer, etc. Chacun de nous a son travail. Mais il te dit, ce que je veux que vous puissiez comprendre, il faut que nous puissions faire la différence entre les choses. J'ai mon travail, mais je ne suis pas. Comment je dis ça? J'ai une responsabilité. Oui, j'ai une responsabilité. Mais la place de mon travail dans ma vie n'est pas plus élevée que la place de Dieu. D'accord? La place de mon travail dans ma vie n'est pas plus élevée que la place de Dieu. Quelqu'un comprend ça? La place de mon travail dans ma vie n'est pas plus importante que Dieu. Dieu en a la première place. La place de mes enfants et de mon mari n'est pas plus importante dans ma vie. Non, c'est Dieu qui en a la première place. Ensuite vient mon mari, mes enfants, etc. Mais la première place, bien aimé, sachez très clairement, la première place appartient à Dieu. Et la deuxième place appartient à Marie. La famille. Ma famille. Ma famille, c'est mon mari, ma femme, mes enfants. D'accord? Amen. Quelqu'un a compris ça? Amen. Donc, mais Dieu en a simplement, eh bien, toujours Dieu en a la première place. Mais bien aimé, malheureusement, est-ce toujours le cas dans la vie des personnes? Non. Non, ce n'est pas toujours le cas. Vous avez des personnes, bien aimées, qui ont un travail qui les oblige à travailler tous les dimanches. Vous avez des personnes qui ont un travail qui les oblige, eh bien, à travailler tous les dimanches. Et vous savez, régulièrement le pasteur il parle de ça, mais les gens essaient de trouver une excuse. Nous avons vu la parole de Dieu bien aimé, il n'y en aura pas d'excuse. D'accord? Devant Dieu, il n'y en aura pas d'excuse. Mais Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom. Quelqu'un peut m'aider. Parce que ça se trouve, je vais aller chercher. J'ai tellement de choses qui viennent dans ma tête. Seigneur, oui, j'ai fait ça en ton nom. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur dira. Non, je ne vous ai jamais connu. Non, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi. Et comprenez bien. Oui, entre autres. Hein? D'accord. Merci. J'étais en train de vous voir. Entre autres. Et comme je dis, est-ce que faire un miracle, c'est quelque chose de facile? Est-ce que faire un
un miracle, c'est quelque chose de facile. Non. Faire un miracle, ce n'est pas facile. Et pourtant, il y en a ceux qui font des miracles. Et nous allons comprendre, bien aimé, le pourquoi que beaucoup de personnes et bien sont complètement trompées. Beaucoup de personnes font des miracles. Je vais lire cette écriture. Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7, je vais lire au verset 21. Où est-ce qu'il dit dans le verset 21? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Bien-aimés, il y en a des milliers de personnes qui disent Seigneur, Seigneur. Beaucoup de personnes disent Seigneur, Seigneur. Mais est-ce que tous entreront dans le ciel? Non. Il est déjà écrit ici. Nous avons dit tout à l'heure que Dieu connaît toutes choses d'avance, des milliers d'années avant que cela n'arrive. Dieu connaît. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le ciel. Parce que beaucoup disent Seigneur, Seigneur, et ils maltraitent leur prochain. Leur prochain aujourd'hui, il n'y a pas le pain sur la table. Ils savent que leur prochain n'a pas. Et ils disent Seigneur, Seigneur, mais ils ne donnent pas au prochain, sachant que leur prochain n'a pas de manger à manger pour donner aux enfants aujourd'hui. Oui. C'est pourquoi il nous dit très clairement ici, ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, tous ceux qui disent Seigneur. Dans toutes les religions, ils sont tous là. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Le pasteur, lui, ne connaît pas le cœur des personnes. Mais s'il y en a quelqu'un qui a des milliards et des milliards, des milliards, des milliards d'années-lumière, regarde le cœur de chacun, c'est le Créateur. C'est le Créateur. Donc, il te dit, tous n'entreront pas dans les cieux, tous ceux qui disent Seigneur. Parce que lui, il doit rentrer dans le cœur. Et il te dit, la seconde partie du verset, il te dit, mais celui-là, il pouvait dire celui-là, mais il ajoute encore autre chose. Celui-là seul, c'est-à-dire l'unique personne qui entrera dans le ciel, c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Alléluia. Et faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, bien-aimé. Nous disons que faire la volonté de Dieu, c'est quelque chose de très simple. Beaucoup de personnes disent, ah non, faire la volonté de Dieu, c'est difficile. Ouh, c'est difficile. Ouh, faire la volonté de Dieu, c'est difficile. Non. Pour qui que la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu est difficile? Pour qui que cela est difficile? Il y a une seule personne pour qui la volonté de Dieu est difficile. C'est qui? Voilà. Il y en a que pour lui que la volonté de Dieu est difficile et même voire impossible de faire. Il y en a que pour lui. Et lui, il contamine des millions et des millions et des milliards d'hommes. Il y en a que pour lui, faire la volonté de Dieu, c'est difficile. La volonté de Dieu, bien aimé, c'est simple. Pour faire la volonté de Dieu, tu dois simplement entrer dans l'obéissance. Mais oui. Tu dois simplement entrer dans l'obéissance pour faire la volonté de Dieu. Et à partir du moment que tu fais ta part, à partir du moment que nous faisons notre part c'est quoi? Notre part c'est d'obéir à ce que Dieu dit. Notre part c'est ça. Dieu dit, celui qui n'est pas baptisé d'eau et d'esprit n'entreront pas dans leur vie.
entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui n'est pas une nouvelle créature n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Voilà ce que Dieu te dit. Donc lorsque Dieu te dit cela, je vais y aller dedans. Lorsque Dieu te dit ça, je vais y aller dedans, bien aimé. Venez avec moi, Jean 14. Le Seigneur a eu pitié de toi, il a envoyé quelqu'un chez toi vers toi
pour lui donner une invitation. Le valide entend la parole du Seigneur. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu es venu. Tu as venu le lieu où le Seigneur a établi de faire porter sa parole. Donc tu as fait ta part. Tu es venu. Et le fait que tu es venu, tu ne repartiras pas comme tu es revenu. Alléluia. Donc, il nous dit, ce que nous attendons de Dieu, c'est qu'il nous fasse entrer dans son royaume. Mais, pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, la réponse est venue de votre part, il y en a des conditions. Mais oui, il y en a des conditions pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Donc, entrer dans le royaume de Dieu, donc Dieu même, voilà, Dieu envoie Jésus parler justement, eh bien, à cet homme. Dieu envoie Jésus parler à cet homme, et cet homme, bien aimé, vous allez voir que dans Matthieu, le chapitre 7 dont nous sommes là, écoutez, verset 22 lui dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Bien-aimé, prêtez attention. Prêtez attention. Ceux qui sont en train de dire, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Vous savez que ceux qui ont prophétisé là, vous savez que la prophétie s'est accomplie? Ça vous étonne? Bien aimé, ça vous étonne? Vous savez, il y en a ceux qui prophétisent au nom du Seigneur et que les prophéties s'accomplissent. Lorsque la prophétie est prophétisée et que la personne n'a rien de Dieu, la personne prophétise au nom du Seigneur et que la prophétie s'accomplisse, vous savez qui est-ce qui est debout derrière cela? Vous savez qui est-ce qui est debout derrière cela? Mais oui, bien sûr. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à être très intelligents, très vigilants et être très avisés. Parce que partout, il y en a de la tromperie. Si on remonte plus loin avec vous, lorsque Dieu a envoyé Moïse devant Pharaon avec son bâton, et que Dieu a dit à Moïse, pour que Pharaon puisse te voir, tu enverras ton bâton par terre, et il deviendra un serpent. Ce Moïse a pris le serpent par la queue, il a devenu un bâton. Lorsque Moïse a fait ça devant Pharaon, il a envoyé le bâton devant Pharaon, le bâton s'est transformé en serpent. Que s'est-il passé? Pharaon a appelé ses magiciens. Et les magiciens de Pharaon, qu'ont-ils fait? Ils ont fait la même chose. Mais est-ce que c'était de Dieu? Ou c'était de l'enchantement? C'était de l'enchantement. Bien aimé, vous comprenez que la foi que toi tu dois avoir, que moi je dois avoir, ce n'est pas une foi qui vient de la terre. Nous devons avoir cette foi, justement, qui vient d'en haut. Parce que la foi qui vient de la terre, tu seras trompé. La foi qui vient de la terre, tu seras trompé. C'est pourquoi je vous ai dit, bien aimé, lorsque tu entres dans ce chemin de sainteté avec le Seigneur, tu ne marches plus sur la terre, mais tu marches dans les hauteurs. Bien aimé, c'est un chemin spirituel, mais un chemin vrai. Personne ne va te tromper. Personne ne va te tromper. Donc, nous avons vu, il dit, ceux qui ont prophétisé dans le nom du Seigneur et que la prophétie s'est accomplie.
On continue plus avant. Ensuite, il dit, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Parce qu'il y en a ceux qui vont chasser le nom, les démons, dans le nom, au nom du Seigneur. Mais ces personnes ne sont pas connectées au Seigneur. Voyez, on voit bien, Seigneur. Les enfants de Dieu doivent être des enfants très avisés et des enfants très intelligents. Il y en a ceux qui expulsent les démons. Oui, ils vont expulser les démons, mais ces personnes ne sont pas connectées à l'olivier. Mais pas, ils ne sont pas connectés au Seigneur Jésus. Ensuite, nous continuons, nous avançons. Il dit, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Oui. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Donc faites attention. Il y en a des miracles qui sont faits, qui ne sont pas faits dans le nom du Seigneur. Bien que ici, chez nous, on appelle ça gagner des affaires. Bien. Chez nous, on appelle ça gagner des affaires. Il y a d'autres endroits où on appelle ça chez le scientifique. Science. Oh, la science, oui. Ils utilisent des grands mots. Scientifique, gagner des affaires. Voilà. Effectivement, tu auras une maladie. Il va le chasser. Il va même mettre le nom de Jésus dedans. Pourquoi il va mettre le nom de Jésus dedans? Pour te tromper. Il va mettre le nom de Jésus dedans pour pouvoir te tromper. Mais derrière le nom de Jésus, qui est-ce qui se cache? Satan. Un démon, Satan est là. C'est lui-même qui se cache. C'est pourquoi tu puisses connaître, savoir qu'il y en a. Il y en a deux endroits. Il y en a deux mondes qui existent, le monde physique et le monde spirituel. Cela existe. Donc, il faut que ces personnes-là disent au Seigneur, mais nous avons fait ça en ton nom, Seigneur. Et le Seigneur les dira, ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Prophétiser au nom du Seigneur, faire des miracles au nom du Seigneur, chasser les démons au nom du Seigneur. Voici le nom du Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Donc, bien-aimé, tu comprends pourquoi il a dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le ciel. Parce qu'il y en a une différence. Donc, voici comme vous avez dit, là, il y en a un. Comme il dit, bien, il y en a une condition pour que tu puisses, Seigneur, entrer dans le ciel. Et cette condition, Jésus est venu emmener cette condition, bien. Jésus est venu emmener cette condition, et c'est ainsi que Jésus est venu emmener cette condition, et Jésus dit, bien aimé, à cet homme qui a fait cette rencontre avec lui, Nicodème, Jésus lui dit, et Jean chapitre 3, à partir du verset 1er, Jean lui dit, c'est pas bon ça, hein? Et Jésus lui dit, verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il est en train de dire, si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons un petit peu décrire qu'est-ce que cela veut dire, être né de nouveau. Parce que Jésus a mis la condition. Toi et moi, si nous voulons être entrés dans le ciel, nous devons être né de nouveau. Nous devons être nés de nouveau. Cela veut dire quoi? Beaucoup de personnes
eh bien, ça passe le sel. Êtes-vous lié de nouveau? Nous allons un petit peu décortiquer qu'est-ce que ça veut dire quand je dis ceci, c'est la condition. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, c'est-à-dire si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc moi, je suis un homme déjà âgé, j'ai 60 ans, j'ai 65 ans, j'ai 70 ans, j'ai 35 ans, j'ai 30 ans. Si je veux entrer dans le ciel, je devrais être né de nouveau. Cela veut dire quoi? Afin que tu puisses comprendre qu'entrer dans le ciel, c'est quelque chose de très puissant et c'est une vérité, ce n'est pas une blague. Cela veut dire que moi, ma créature, moi, je devrais mourir pour que je puisse être né à nouveau. Mais comprenez ça, comprenez quelque chose. Jésus a dit cela à Nicodème. Lorsque Nicodème a entendu cela, écoutez sa réponse. Nicodème dit, mais comment un homme peut-il naître à nouveau quand il est vieux? Ah, certainement c'est la question dont toi tu le poses. Comment un homme peut être né de nouveau quand il est déjà vieux? Et puis Nicodème a dit, je veux dire, Nicodème a dit quelque chose qui n'est pitié pas le coup, et en même temps, non seulement ça, il va encore plus loin, il va dire, mais est-ce qu'il peut entrer dans le ventre de sa mère et dire, donc là, il a perdu, il a carrément perdu le sens. Il a carrément perdu le sens. Donc, il est en train de démontrer qu'il n'a rien compris de cela. Dis-le-lui. Comprenez-vous. Être né de nouveau, faites attention. Être né de nouveau, il y en a pour être né de nouveau, nous avons une démarche à faire. D'accord? Nous avons une démarche à faire, exactement la même démarche que nous avons à faire, en sachant que Jésus nous a déjà sauvés dans les lieux célestes. D'accord? Jésus nous a déjà sauvés dans les lieux célestes. Maintenant, nous devons faire la démarche pour que cela puisse s'accomplir. Donc, il est en train de dire, être né de nouveau, c'est la même chose. Il y en a une démarche. Tant que cette démarche ne sera pas entreprise, rien ne va changer. Pour être né de nouveau, il faut déjà accepter le Seigneur Jésus comme ta vie. Il faut l'accepter publiquement, comme sauveur personnel. Il faut l'accepter. C'est le premier pas. Accepter. Tu acceptes? Amen. Tu acceptes? D'accord. Tu veux qu'il soit ton sauveur personnel pour t'emmener dans la vie éternelle? Oui, je le veux. Ça, c'est le premier pas. Deuxième pas, tu devrais finalement maintenant passer par les eaux du baptême. Mais tout ceci, prêtez attention, tout ceci, c'est quelque chose de spirituel très, très puissant. Très puissant. Nicodème a dit, est-ce qu'il peut entrer dans le ventre de sa mère et ressortir? Non, pas du tout. Mais il faut qu'il meure, comme je dis. Il faut qu'il meure. Donc, voilà que Dieu a matérialisé la mort, notre mort. Ceci se fait dans les eaux du baptême. Ceci se fait dans les eaux du baptême. Dans les eaux du baptême. On te plonge dans l'eau, tu es mort pour le monde. Oui, on te plonge dans l'eau, tu es mort pour le monde. Lorsqu'on te ressort, à partir de ce moment-là, tu ressors dans l'eau une nouvelle personne. Parce que l'ancienne personne, lorsqu'on l'a plongé dans l'eau, il est mort, mais resté dans l'eau. Et le nouveau maintenant est là. Mais prenez attention. Prenez attention. Tout ceci, c'est un chemin spirituel terriblement puissant. Maintenant que tu es ressorti de l'eau, tu en as des combats. Oui, donc on va faire connaître quelque chose. Lorsque tu es ressorti de l'eau, mais attention, lorsque tu es ressorti de l'eau, tu es né de nouveau, mais pas sur la terre.
sont très, les choses de Dieu sont très profondes. Oui, tu es né de nouveau, mais dans les lieux célestes. Quelqu'un a compris? Parce que la parole de Dieu, clairement. Attends, qui peut me chercher? Baptisé en sa mort, c'est dans sa mort, c'est au Dieu qui parle de ça. Au Dieu qui parle de ça. Je vais voir. Hein? C'est au Dieu qui parle de ça, semble-t-il. Je ne sais pas si lequel. C'est un livre de Dieu. C'est bon ça. Cela veut dire que
Tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque tu as été baptisé dans la mort du Seigneur Jésus. Et maintenant, ton nom, tu te trouves dans les lieux célestes avec le Seigneur Jésus. Donc, cela veut dire que lorsque tu es baptisé, tu en as des efforts à faire. Bien-aimé, il est simple. Comprends une chose. Je vais t'expliquer quelque chose de très simple. Vous avez déjà vu un véhicule qui n'a pas de batterie? Comment il fait un véhicule qui n'a pas de batterie? Il fait tchou. Il fait tchou. D'accord? Faites attention. Il suffit que quelqu'un les pousse. Et puis ça y est, tchou, tchou, ça y est, c'est démarré. Vrai ou faux? Bien aimé, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Tu es né de nouveau, oui, dans les lieux célestes, maintenant, tu devras faire des efforts. D'accord? Tu devras faire des efforts. Et à partir du moment que tu vas faire des efforts, qui prendra le relais? Le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai pris le cas de l'aventure, tu ne veux pas démarrer. Tu le pousses, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin simplement de quelqu'un puisse le pousser pour qu'il puisse démarrer. Eh bien, c'est la même chose. Si tu ne fais pas d'efforts, rien ne va changer. À partir du moment où tu fais des efforts, c'est à ce moment-là que toi-même tu seras surpris. Toi-même tu seras surpris. Tu vas te rendre compte que mais je disais des mauvaises paroles, ça a disparu. J'arrive plus à dire les mauvaises paroles que je disais. Ah, j'arrive plus à mettre les lignes serrées que je mettais sur moi pour montrer tout le monde. Non, je me sens mal quand j'ai dit c'est, que je vais faire, que je me sens bien. Pourquoi? Parce que tu as fait des efforts. Alléluia. Parce que tu as fait des efforts. Donc voilà ce qu'il est en train de dire. Tu es né de nouveau, effectivement, tu es né de nouveau dans les lieux célestes. Maintenant, tu dois faire tes efforts. Ah oui, tu dois faire tes efforts afin que le Saint-Esprit que tu as reçu, il faut démontrer au Saint-Esprit que tu veux. D'accord? Bien-aimé, c'est exactement un étudiant sur le banc de l'université. Il faut que cet étudiant puisse démontrer qu'il veut le diplôme. Comment peux-tu démontrer qu'il veut le diplôme? Eh bien, en travaillant, en faisant des efforts. En travaillant, en faisant des efforts. Et le professeur qui corrige, oui, effectivement, il est en train de faire des efforts. Elle est en train de faire des efforts parce qu'on regardait moi sa note du départ et maintenant on regardait moi sa note. Eh oui, cette personne est en train de faire des efforts. Et à partir du moment que tu fais des efforts, tu verras le changement dans ta vie. C'est de là que tu verras comment que ta vie va prendre une tournure spirituelle. Et que tu vas passer maintenant à vivre le surnaturel de Dieu. Mais oui, bien aimé. Alléluia. C'est à partir de ce moment-là. Donc, nous voyons très clairement que Nicodème, lui, était Nicodème n'a rien compris. Nicodème n'a rien compris. Non, il n'a rien compris. Donc, il ne sait pas qu'il demande à Jésus, effectivement, eh bien, est-ce qu'il faut qu'il entre dans le ventre de sa mère, qu'il puisse ressortir. Donc, voilà ce qui se passe, bien aimé. En ce qui concerne bien la nouvelle créature. Toi qui étais un homme, une femme qui aimait blaguer, qui aimait rigoler, eh bien, bien aimé, ceci va disparaître. Ceci va disparaître. Toi qui étais un homme, une femme qui se mettait en colère pour rien du tout, ceci disparaîtra. Mais ceci ne va pas disparaître du coup de baguette magique. Tu devras faire tes efforts. Lorsque quelque chose vient de te mettre en colère, par exemple, assez régulièrement, ta femme, je crois, mettait un peu trop de sel, ou bien la nourriture n'était pas bonne, tu faisais du tapage.
mariage, tu faisais du désordre, eh bien, tu devras faire des efforts pour te maîtriser, pour te contrôler. Bien-aimé, c'est ce qu'il est en train de dire. Lorsque tu fais des efforts, eh bien, tu vas arriver un moment que ce n'est plus toi qui feras les efforts. Cela va passer automatiquement. Tu ne verras même pas que tu es en train de faire des efforts. Pourquoi? Parce que tu seras déjà en train d'avancer dans les hauteurs. Tu seras en train maintenant d'avancer dans les hauteurs. C'est pourquoi tu dis que le Saint-Esprit va changer nos pensées. Et c'est de là que toi tu comprendras que ce que nous avons fait ce matin, ici, le moment de repentance, c'est un moment terriblement puissant. Il peut y arriver que tu pêches inconsciemment. Bien aimé. Parce qu'à partir du moment que tu es né de nouveau, tu ne vas plus pêcher. Comment? Conscient. Quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'il est en train de dire? Voilà ce qu'ils disent. Oui,
de Dieu dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras. Quelqu'un qui s'est dit, tu seras. Mais là-bas dit, tu es. Pourquoi elle dit sera? Sera parce que j'ai des efforts à produire. J'ai des efforts à faire. Et bien, vous avez dit. Le verset 7. Celui qui est mort est libre du péché. Quelqu'un dit amen? Amen. C'est terrible. C'est terriblement puissant. Lorsque tu es mort et que tu es ressuscité avec Christ, cela veut dire lorsque tu es baptisé. Et rappelle-toi, en ce qui concerne le baptême, il parle être baptisé correctement. Cela veut dire quoi être baptisé correctement? Cela veut dire être baptisé dans la sanctification. Être baptisé dans la sainteté. Être baptisé dans la, je répète, dans la sainteté. Le message de la sainteté ne peut être confondu. Ne peut pas être confondu. Avant que tu vas dans une église quelconque et tu décides de te faire baptiser là, tu dois faire très attention. Écoute le message. Tu en as la parole de Dieu. Écoute le message et compare le message avec la parole de Dieu. Si tu vois que le message est en accord avec la parole de Dieu, tu dis, voilà, le Saint-Esprit est lié. Mais tu devras faire une comparaison. Alléluia. Avant de te mettre dans les mains de quelqu'un qui te baptise et tu reçois un esprit qui va te bloquer, qui va t'empêcher de grandir avec Dieu. Je répète encore une fois. Ceux qui sont baptisés en Jésus, c'est en sa mort qu'ils ont été baptisés. Vous comprenez pourquoi l'ennemi qui est en train de nous dire que lorsque tu es baptisé avec le Seigneur Jésus, que tu fais des efforts, tu ne marches plus sur la terre. Mais oui, tu marches sur la terre physiquement, mais spirituellement, tu ne marches pas sur la terre. Parce que tu marches dans les hauteurs et que tu vois le danger. Celui qui marche dans les hauteurs voit le danger. Il voit la tentation. Avant que la tentation vienne à lui, il le voit déjà venir. Quelqu'un oui et dit amen. Bien aimé, ceci, c'est une vie, c'est vie que, lorsque tu entends que Jésus qui est né, celui qui n'est pas connecté à moi, ne peut pas produire de bons fruits. Mais oui, c'est là. Comment peut-il me dire que tu marches avec le Seigneur et que tu vis dans le péché? Cela veut dire que tu ne parles pas avec le Seigneur. Parce qu'il est en train de te dire que l'Esprit du Seigneur ne partage pas avec le péché. Non. Le fruit de non. Dieu, l'Esprit du Seigneur, eh bien, ne partage pas avec eh bien, le péché. L'Esprit du Seigneur, il est complètement mis à part. Et c'est ainsi que tu comprendras, bien aimé. Jésus poursuit cette parole avec Nicodème, verset 5, chapitre 3, verset 5 de Jean. Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Non, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, et c'est là, Jésus lui donne encore bien plus de précision. Tu devras être né d'eau et d'esprit. Donc, lorsque tu es né d'eau et d'esprit, il te dit, à partir du moment que tu es né d'eau et d'esprit, c'est à partir de ce moment-là que tu pourras entrer dans le royaume de Dieu. Donc Jésus l'a précisé. Jésus l'a précisé pour être né de nouveau. Cela commence par le baptême. Par le baptême, mort au monde, résurrection à nouveau avec le Seigneur Jésus, afin de pouvoir bien maintenant bien entrer dans la sainteté, voilà, et marcher dans la sainteté.
application, bien-aimé. Voilà ce qu'il est en train de nous dire. Pourquoi être né de nouveau? Bien-aimé, voici la question donc qui va surgir. Pourquoi toi et moi nous avons besoin d'être nés de nouveau? Quelqu'un peut me dire? Quelqu'un peut dire? Pourquoi toi et moi nous avons besoin d'être nés de nouveau? Est-ce que ça ne reçoit pas le Saint-Esprit? On ne peut pas marcher dessus, on marche. Le Saint-Esprit dit nous attend. Oui, effectivement, tout ça, mais effectivement, oui, je vais appuyer sur le bip. Toi et moi, nous avons besoin d'être nés de nouveau. C'est quelque chose que j'ai déjà annoncé ici. Je vais annoncer à vous rappeler. Pourquoi être né de nouveau? Être né de nouveau parce que Dieu, bien-aimé, Dieu a déjà créé un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alors tu comprends très clairement que moi, ce mois-là, je veux dire, l'ancien moi, ne peut pas entrer dans quelque chose qui est de nouveau. J'ai un texte qui me vient dans la tête. Ça vient de quelque chose qui me vient là. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Marc chapitre 2. Marc chapitre 2. Chapitre 2. Écoute ce qu'il me dit. Dans ce chapitre 2, je vais dire le verset 21. Écoutez. Marc chapitre 2, verset 21, il dit: personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emportera une partie du vieux, et la déchirure sera pire. Il est en train de te dire ici que tu ne vas pas mélanger les vieilles choses avec les anciennes choses. Dans notre monde, il est en train de faire monter dans mes pensées ceux qui vendent de la nourriture. Toute la journée, la nourriture est là. Elle n'a pas été vendue. Le soir, ils le mettent au frigo. Le lendemain matin, ils vont faire du riz frais. Et ils vont tout mélanger ensemble et ils mettent là. Dans peu de temps, comment va-t-il se passer? Dans peu de temps, la nourriture se contaminée. Elle va gâter. Oui. On voit comment que ton Père Céleste, notre Père Céleste dans le ciel, comment il est au-dessus de toutes choses. Écoute ce qu'il te dit. Maintenant, je vais lire le verset 22. Il te dit que et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les trous sont perdus. Et il donne la réponse. Mais il dit, mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neufs. Vous avez compris? Donc Dieu ne peut pas créer un nouveau ciel et une nouvelle terre et prendre des vieilles personnes souillées et les mettre dedans. Non. C'est pas possible. Pas possible. Écoute, fais attention. Si toi et moi, nous sommes menteurs, nous mouons, nous souillons, nous faisons tous ces péchés que nous faisons. Si toi et moi, lorsque nous allons déménager dans une maison neuve, et nous disons, ah non, le vieux canapé, je vais donner un tel, je ne paye pas de ma maison neuve. Je vais acheter un canapé neuf.
Ah, le buffet, non, le buffet. Et maintenant, j'ai un buffet là, tu le veux, tu donnes. Tu vas mettre un buffet neuf. Tu as oublié? Si nous agissons ici, pensons que Dieu, pensons-nous que Dieu est différent? Non. Dieu a fait un nouveau ciel. Il a fait aussi une nouvelle terre. Il mettra des personnes nouveaux. Il mettra de nouvelles personnes dedans. Bien-aimé. Faites attention. Nous savons que la terre est polluée par le péché. Voyez-vous. La terre, là, cet instant que nous vivons, c'est une terre polluée par le péché. Lorsque tu prêches l'évangile, beaucoup de personnes bouchent, ils ne veulent pas entendre. Parce qu'ils veulent continuer à vivre leur vie comme ils l'ont. Mais nous savons, bien aimé, que Dieu a déterminé un temps que Jésus viendra régner sur cette terre. Tu sais ça? Si tu ne le sais pas, tu l'apprends maintenant. Cette terre où nous vivons là. Jésus viendra vivre, Jésus viendra régner pendant combien de temps? 1000 années. Jésus viendra régner 1000 ans. Ceci, nous allons terminer parce que l'heure est en train d'avancer. Simplement pour attirer ton attention. Et réveiller ton intelligence. Donc, remarque que Dieu a déjà mis en place, en action, son plan pour nettoyer la terre de tous ceux qui ferment leur cœur pour recevoir l'évangile. Ils sont balayés par les bêtes féroces, par la famine, par les coronavirus. Ils sont balayés par les guerres. Ils sont balayés par les maladies. Ils sont balayés par le tremblement de terre. Tiens-les. Toutes ces personnes qui endurcissent leur cœur pour recevoir Dieu sont en train de. Tu es en train de les balayer de la terre. Faites attention. Et le grand balayage de la terre sera fait dans la tribulation et dans la grande tribulation. C'est là qu'il y aura le grand balayage de la face sur la face de la terre. Dieu va faire un balayage. Pendant que l'Église sera en sécurité dans les demeures éternelles, Dieu va balayer la terre. De tous ceux qui ont un cœur dur, qui ne veulent pas recevoir Dieu. Pendant 7 années, Dieu fera ce travail sur toute la terre. Alléluia, quelqu'un comprend cela? Dieu fera ce travail sur la terre pendant 7 années. Tous ceux qui ont le cœur endurci. Et après ces 7 années, Jésus vient réunir sur la terre. Quelqu'un a compris et dit amen? Amen. Donc toi et moi, nous sommes des personnes intelligentes. Nous devons faire notre part. Nous devons faire nos propres efforts afin que nous puissions être nés de bien-aimés. La clé, c'est celle-là. Né de nouveau. Celui qui naît de nouveau ne ment plus. Celui qui est né de nouveau ne regarde plus une femme pour la convoiter. Celui qui est né de nouveau à la maîtrise de sa langue. Celui qui est né de nouveau à la maîtrise de tout son corps. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Donc voilà pourquoi que Jésus a annoncé cette parole. Cette parole qu'il a annoncée pour Nicodème, elle est d'actualité. Mais nous devons revenir. Nous allons finaliser la réunion du Seigneur. Donc, bien aimé, la clé, comme nous avons dit, la clé, ce n'est pas d'avoir une religion. La clé, c'est d'être né de nouveau.
La clé, c'est être né de nouveau. Si je ne suis pas né de nouveau, jamais je ne ferai ici. Que les miracles dans le nom du Seigneur, cela ne peut rien dire. Expulser les démons dans le nom du Seigneur, cela ne veut rien dire. Prophétiser dans le nom du Seigneur, cela ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Ô Seigneur, dans le Seigneur Jésus, être une nouvelle créature bien-aimée au Seigneur Jésus. Amen. Ceci, c'est la condition pour que toi et moi, nous puissions entrer. Être une nouvelle créature. Donc, bien-aimés, nous allons maintenant diriger et amener vers Dieu tous ceux qui ont entendu cette prédication et qui veulent recevoir le Seigneur Jésus dans leur vie comme sauveur personnel. Je vous demande de répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, en cet instant, je viens devant toi avec ce cœur repentant. Je te demande pardon d'avoir endurci mon cœur pendant si longtemps pour ta parole. En cet instant, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme mon sauveur personnel. Seigneur, je te supplie, pardonne-moi. J'abandonne le monde avec toutes ses convoitises. Enseigne-moi ta voix. Donne-moi ton Saint-Esprit afin qu'il puisse m'aider. Seigneur, je veux être cette nouvelle créature afin d'entrer dans ton règne. Parce que tu l'as dit si clair. C'est uniquement les nouvelles créatures qui entreront dans ton règne. Je te supplie, Seigneur. Fais-moi grâce. Et enseigne-moi à te suivre. Enseigne-moi à t'adorer. Enseigne-moi à t'obéir. Dans le nom tout puissant de Jésus. Je suis libre. Éternel, mon Dieu, moi, nous te bénissons, nous donnons nos grâces, éternel, en nous présentant, Seigneur, tes enfants. Tous ceux, Seigneur, qui t'ont accepté, Seigneur, en cet instant puissant, béni dans leur vie. Éternel, nous te demandons par ta grâce et ta bonté d'accorder, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, cette grâce à tout le chacun, éternel, mon Dieu. Et de les enseigner, Seigneur, ta foi. Les enseigner, Seigneur, la crainte de ton nom, Seigneur. Les enseigner, Seigneur, à faire de leur part, Seigneur, de faire leur possible, de faire tout ce, Seigneur, dont tu les as mis à leur disposition, afin qu'ils puissent faire éternellement. Que chacun, Père, nous puissions faire ses propres efforts, afin que le Saint-Esprit puisse pouvoir nous aider. Éternel, nous donnons grâce, nous te bénissons, Seigneur, pour la vie de tout un chacun. Nous donnons grâce pour tous tes enfants, Seigneur, qui sont venus ici en ce lieu pour entendre le message de ta parole. Que par ta grâce et ta bonté, que ton Saint-Esprit puisse accompagner tout un chacun dans leur demeure, dans la nom du puissant de Jésus. Seigneur, Amen et Amen.